Allez, on s'y jette. Messieurs, si vous êtes venus accompagnés de votre femme, de votre fiancée, de votre petite amie, de votre future petite amie ou de votre ex, c'est bizarre, mais ça marche quand même, et qu'elle se marre de manière complètement assumée pendant la chanson qui arrive, ça pue. J'en demande pardon au ciel qui dit que la femme doit être fidèle et suivre partout son mari, armé de bonne volonté, 10 fois 100 fois j'ai essayé. Mais je ne les ai jamais suivis, dès qu'ils avaient tourné le dos, je foutais le camp sur mon vélo, en direction d'un autre lit. Impossible de m'habituer au traditionnel café, de coup la chicardie. Pour me dire que c'est pas bien que je me conduis comme une putain, si j'en crois ce que dit ma grand-mère, qui pendant plus de 60 ans a démerdé les caleçons blancs dans vénérables fonctionnaires. J'ai beau me dire que la vraie vie doit faire honneur à sa famille, quand elle a dit oui devant Dieu, y'a rien à faire, j'attends mon cul, je peux descendre dans la rue pour monter dans un autre pieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me prend? Pourtant ce ne sont pas mes parents qui m'ont donné cet exemple-là. Chez nous, il n'y a jamais d'adultère, on est tranquille comme des cimetières, et le cocu n'existe pas. J'ai même triplé ma communion pour être sûr d'être en union avec les lois du Saint-Office, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de ces trois lettres, dites-moi qui m'a foutu le feu au clitoris. J'ai fait l'amour en autostop, on traite si souvent de salope, que j'ai oublié mon prénom. Mais moi les hommes je les aime tous, alors ils me détestent tous. Et face à cette situation, certains vont jusqu'à me faire suivre par la mer, par un détective, et me séquestrent à double clé. En passant par la cheminée. C'est pas fini, mais il y a une petite fille qui a compris ce que je viens de dire et que j'avais pas vu encore. Excuse-moi. Peter. Mais même, elle a pris la tête dans ses mains. Tu as raison, j'aurais fait pareil. La liberté, la liberté, ma liberté, la seule chose qui me fait jouir. Bien que ce soit pas original, si j'en crois les radios locales qui n'ont pas voulu s'en servir. La liberté, cette liberté, c'est cher mais c'est bien remboursé, ça vous console presque. Seulement je suis fidèle. Quand je te trompe, tu t'en...